Salut sur ma nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, n'oublie pas le petit j'aime et de t'abonner, ça ne coûte rien. Allez, salut et bonne vidéo, tchuss. Hello à tous et bienvenue sur Final Fantasy VII, jeu créé par Square Enix qui a été développé par Oshiri Kitades, je ne sais pas prononcer le chinois, le japonais, je m'en fous, de toute façon, pour moi, Ching Chang Chung, ça veut dire nique ta mère. Hein. Voilà, point barre, c'est un jeu de rôle créé le 31 janvier 1997, et oui, on a fêté, on va bientôt fêter les. On va bientôt fêter les 20 ans. On va bientôt fêter les 20 ans de Final Fantasy VII, qui est pour moi le meilleur opus de tous les Final Fantasy, sauf le 15 qui va sortir, a l'air vraiment vachement bien. Donc je m'attends à ce qu'il soit bien. Et aussi il va avoir un remake du 7, parce que voilà, c'était le meilleur, voilà, point barre, ils vont faire un remake. Et le remake, il va être exactement comme le 15, donc il va être magnifique. Donc je vais peut-être le prendre, je ne sais pas. Mais nous, on est sur Final Fantasy 7 et nous allons commencer une nouvelle partie. Let's go. Donc les claviers, nous on s'en fout. Un chien fou. Faut attendre que je cherche, j'étais pas chien. Tout simplement, c'est un jeu qui date de très 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 longtemps, donc les graphismes sont assez pourris, hein, on peut se le dire. Les graphismes sont assez pourris, mais moi j'adore Final Fantasy VII, donc je voulais vous faire un let's play, c'est mon coup de cœur. Même si vous n'aimez pas, j'adore. Donc aussi, moi je suis là pour aussi me faire plaisir. Nous le savons bien, on est là aussi pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir en même temps, mais c'est surtout pour le streamer, le youtubeur qui se fait plaisir en vous partageant des contenus qui vous font plaisir aussi. C'est dans les deux sens, toujours dans les deux sens. Si vous ça ne vous plaît pas, ben moi ça va pas me plaire parce que je fais du travail qui ne vous plaît pas. Donc ça va pas me plaire et ça va me dire ah putain, t'as fait de la merde là, c'est vraiment un casse-couille là. Tu vas changer tout de suite et tu vas faire plaire à tes viewers. Puis tu te dis, ouais, je voudrais faire un let's play sur Final Fantasy, c'est mon truc. Et ils vont dire, ouais, vas-y, c'est ton vraiment, t'adores ce jeu, ben vas-y, fais un. Hein, peut-être qu'il y en a des. Il y a d'autres gens qui vont être intéressés par ça, ben voilà, c'est un échange, c'est très bien. Donc voilà. Ouais. C'est quand tu veux le jeu. Hein. Contrôle Windows, non. Disons rien, laissons le jeu. C'est un jeu assez ancien, donc si ça bug un peu, c'est normal. Des étoiles. Final Fantasy VII, 1997 Square. Je suis vraiment désolé si ça bug, c'est pas de ma faute. C'est le jeu en lui-même, hein. Il est vraiment vieux donc. C'est pas non plus du. C'est pas adapté aussi pour tout ce qui est. Ah, la musique épique pour dire qu'il va y avoir un combat.
Cloud. Viens par ici, le nouveau. Suis-moi. Hop, on va se déplacer. Est-ce qu'on sait courir? Oui. Je devrais me combattre. Hop là, la musique épique pour les combats. Mitrailleuse. Attaque. Hop là. Ex-soldat, mitrailleuse. En fait, mon nom c'est ex-soldat parce que on sait pas en fait mon nom au début. Ils le savent pas donc on ne sait pas toujours. Faudrait que je choisisse après. Oui, attaque-le. Hop là, il est mort. Après, elle est trop belle ça, son épée. Et ouais. La musique épique de Final Fantasy. Niveau 6. Hop là, niveau 7. Très bien. Et j'ai 260 crédits. Jills. Des Jills. Okay. Allez, hop, on va courir. Bonjour. Ah. Ouais, il faisait partie du soldat, c'est ça? Tu n'en vois pas tous les jours de cette espèce-là dans un groupe comme Avalanche. Nos soldats? Mais ce n'est pas notre ennemi. Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Écoute, Jess, il faisait partie du soldat. Il a quitté et fait partie des nôtres maintenant. Je n'ai pas saisi ton nom. C'est Cloud. Et nous, on va s'appeler Manitech. C'est Cloud. Face. Ah putain, je suis obligé de choisir. Non. Putain, fais chier. C'est pas grave. Quel est l'avis? Ok, il a su déverrouiller, il a su hacker le truc. Là, on va laisser. Ok. Hop là, au revoir. Un peu de magie, c'est toujours du bien. Mitrailleuse. Oh. En fait, j'ai un H en trop en fait. Ça fait. Mintech. Attaque, touche. Allez, on va 41, c'est terminé. Son grosse épée, il défonce tout. Hein. C'est très bien. Et pas la grosse épée que vous pensez. Hein. Hop là, un peu d'XP. Avec un peu de monnaie, on est parti. Allez, cours. Hop là, on va rentrer dans le réacteur. Faut aller bombarder le réacteur. Allez, go. Je vais par là. Putain, non. Et tu te retrouves dans un réacteur. Bah oui. Ah, cette musique là. Non, après tout, j'ai travaillé à la SINRA, tu sais.
La planète est chargée d'énergie, Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais personne ne sait pourquoi ce dont il s'agit, et toi. C'est le sang vital de cette planète, mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je suis pas ici pour recevoir des cours, dépêchons-nous. Très bien, à partir de maintenant, tu me lâches pas d'une semaine. Arrête. Donc il faut se casser alors. Ok, il faut du code déchiffré. Let's go. Code déchiffré, allez, dépêchez-vous les mecs. Code déchiffré. Let's go. Code déchiffré. Ok, on y va. Allez, go. Fallait vite désactiver ce réacteur de merde. Allumé. Ok, il est sorti de mon corps en mode « Coucou, je sors de ton cul. Bonjour. » Mon cul, c'est un pot d'échappement, le mec. Hein. Il peut rentrer dedans, quoi. N'importe quoi. Petit à petit, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas... Putain, mais je suis un gros bâtard, en fait. Ce n'est pas mon problème. Je m'en bats les couilles. Allez, salut. Moi, j'ai mon petit ego et je vous encule tous. Allez, salut. La planète meurt, Mindtech. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité des gardiens. Il va péter un câble. Putain, tu me fais chier. Je vais lui mettre une baffe dans sa gueule, il va rien comprendre. Perso, il va s'évanouir en moins d'une ou deux secondes. Elle en a eu marre, elle. Ah putain, elle me fait chier, wesh. Allez, un petit combat. C'est quoi ces trucs? Attaque. Oh my god, ça fait beaucoup de dégâts. Salut. Et salut. On a gagné. Il a quand même une mitraillette à la place du bras, le mec. Ok, calme. Il a plus un peu de pognon. Bégayé un peu. T'es folé. Et ma bagnole, il a bégayé un peu en déjoulé. Hein. J'ai pas fait exprès. J'étais un peu somnolent. Ouh là là là. Oh là là là. J'ai un petit combat. Après, je suis un peu fatigué. Je vais aller faire tout dehors. Je suis vraiment fatigué. Hop là, non, je vais faire magie, je vais faire éclair. Waouh, ça fait 3 dégâts, oh my god, éclair. Attention, 172, salut. 36, allez, salut. Ouais, petite attaque, ok, putain, elle m'a fait un dégât, quoi. Une grosse merde. Attac, ok, salut, au revoir. Bah tu veux que je tire contre qui, wesh? Tu veux que je tire contre qui? Ok, c'est bon. Oh, une petite potion. Prendre. Quitter. Allez, on court. Ok, on est rentré. C'est bon. Tranquilos. Hop là, on saute. Ok. On descend les selles, on descend les selles. Putain, elle est bizarre les gens. Putain. Non. 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 Oh. Potion. Ok.
Hop là. On marche quand même sur des tuyaux, hein. Il faut pas exagérer, mais on marche quand même sur des tuyaux. Quoi. Non. Ah, petite sauvegarde, non, là. Allez, un petit combat avant. Ça, il n'y a qu'une personne, wesh. Ah non, il y en a trois. Je vais faire un petit éclair sur le truc, là. Comptez. Hop, petit éclair. Hop là, on va attaquer. Il me fait 11 de dégâts, mais c'est rien du tout, wesh. Ouh, ça va faire mal, ça. Bon, non, 13. Ok, d'accord. Éclair. 70, ça a valu. Hop là, toi, je vais t'atomiser. Ok, ça l'a paniqué. C'est casse-couille, ça. Il faut tous les deux 10 de dégâts. Attaque. Plus. 37. On va faire une petite attaque de 10. Et moi, je vais lui faire une grosse attaque à 47. Ch'touk. 41. Ça va. C'est raisonnable. Purée. Niveau suivant, 128. Niveau 99. Bien ça. Ah, 373 crédits. Hop, t'es... Point d'enregistrement. Ça c'est là. Là on peut enregistrer. Ah, ça garde une. Voilà. Bim, c'est fait. Ça fait 13 minutes qu'on joue. On va aller terminer ça. Un petit combat. Allez, go. Les mecs, c'est de l'autre côté. Attaque par les... Oh, les bâtards, ils nous ont pris par l'arrière. Ah, bâtard. Moi, je refais magie. Je vais pas me faire chier. Arbidé. Ouh. 5 de dégâts. Ouh, je pleure, là. Je mets glace dans la gueule et pas rien comprendre. 87 tumeurs. 37. Waouh, tu m'as fait 4 de dégâts. Ouh, j'ai peur. Attaque, attaque. 21, salut, tumeur. Ok, c'est bon. On est plutôt fort. Hein. Faut que j'aille par où? Pas par là. Là, on devrait être bientôt réacteur. Ouais, on est au plein réacteur là. Ça, c'est le réacteur, ça. Ah, c'est cool ça. Ah, matériel restauré. Plus ça sert à quoi ça? Ah, là. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il restera qu'un tas de cendres. Bon, Mindlane, tu as posé la bombe. Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, tu vas te sur. Te surveiller. Je vais te surveiller. Fais-le, imbécile, fais. Je vais te surveiller. Très bien, vas-y. Attention. Un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Mindtech? Dépêche-toi. Oui, désolé. Ah, c'est la merde, ça. Vas-y, ils arrivent. C'est quoi, ce truc? Oh, ce truc énorme. Il me fait éclair dans la gueule. Ah, bah, il va la fermer. Là, je sens qu'il va me faire énormément de dégâts. Ok. Que de scorpion, il va me faire mal. Ah ouais. Oh oui. Il y a un attaque spécial. Après, il est pas mort. Chercheur d'ennemis. Ok, il me cherche encore. Et lui, bientôt ça l'émit parce qu'il va bientôt faire son attaque spéciale. Non.
avec ça. Je fais la glace alors. Je l'attaque. Il fait 35, ok. Oui, allez, hein. Attaque-le. Glace, ça devrait faire beaucoup. 44. J'ai pas encore buté. Attaque. Barrette, attends. Barrette, attention. N'attaque pas, il va contrer l'attaque avec son laser. 21. Que de laser. Max limite. Je suis mort, moi. Grand coup. Après, il est pas encore mort. Moi, je suis mort quand? Ah putain, il m'a buté. Moi, je suis déjà mort. Oh, n'importe quoi. Ok, j'ai rien compris à ma vie. Square Enix. D'ailleurs. J'ai mort. Ok. Bah, continue parti. Eh ben, on peut dire que c'était une partie assez vite, hein. Je pense que je vais m'arrêter sur ça et on reprendra la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu sur cette mort un peu débile et surtout prévue mais à 10 km. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez quand même un peu aimé, même si c'est pas très graphismement beau. Mais j'espère que ça a plu. N'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. De vous abonner, ça prend une seconde et ça fait toujours, ça me rend un sourire énorme, merci beaucoup. Et n'oublie pas de partager tout ça à tes potes sur Skype, Facebook, Twitter, tu connais les bails mieux que moi. Allez, merci de regarder, allez, tchuss.